félicitations Beleka na Congo number one. Tant on va number one toute cette terre, number two terre. Number one. C'est ça, président Raboyi. Nous allons rabouiller quoi? Nous allons vraiment bouiller. Presse à Mouka. Il va nous avoir number one. Mais internet, beaucoup de vous bêtes comme number one. T'es naturel, t'es number one. Tout le monde, t'es number one à tenir. Ils allent à la carte. Si ça ne marche pas, je dis bien, on s'en fout. Alors, ils ne sont plus dans la position où ils étaient. Et je sais de quoi ils parlent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le problème c'est quoi? On s'en fout parce qu'il y a la force internationale neutre qui devrait bientôt être déployée à la frontière commune avec le Rwanda, ou c'est parce que dans l'entretemps, le Congo s'est organisé au point de faire échec à toute velléité ou à toute tendance de reprendre qui amènerait par exemple le M23 à reprendre les armes? Je ne suis pas dans le secret de notre pays. Je vous donne mon état mental et l'état mental de la plupart de nos compatriotes. Oui. On en a assez de ce type de gens. Alors, on leur a accordé une chance. Là, Kampala, s'ils ne saisissent pas la chance, qu'ils viennent, on va voir, ils vont passer par où pour nous couper la tête tous. C'est ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le Rwanda n'a plus les arguments qu'il avait. Et tu sais, il a deux arguments qu'il utilise pour la communauté internationale, soit les génocides, soit que les gens veulent venir, tchatchatchatchat. Mais attendez, la communauté internationale n'est pas si idiote aussi que ça. Finalement, on a compris la chanson. Et donc, elle est sous surveillance. C'est le Rwandais qui est venu prendre Goma. Ce n'est pas les M23. Donc je dis, on s'en fout parce que les M23 n'existent pas en tant qu'entité. C'est une fabrication et celui qui l'a fabriqué n'est plus en possession de tous les moyens qui l'ont permis de le faire avancer. Alors quoi de plus normal pour le gouvernement ou pour nous de jubiler déjà parce que on s'achemine avec ou sans le M23 vers la paix que nous recherchons dans la partie est du pays? Nous ne jubilons pas. Nous sommes un pays endeuillé gratuitement. Nous ne jubilons pas, nous nous préparons, les juristes entre eux, les criminologues entre eux, pour voir comment faire l'inventaire des crimes commis dans notre pays et revendiquer les droits. On ne peut pas impunément venir tuer les Congolais et puis partir comme dans une promenade. Voilà, professeur, nous allons finir peut-être par là cette question, mais parlons un peu de la force internationale neutre qui va être déployée, et la CIRGEL et tous les pays membres de l'espace de Grand Lac sont d'accord pour envoyer des troupes, et ces troupes vont être intégrées dans la force de la MONUSCO sous le commandement tanzanien. Est-ce que ça rassure? Il n'y a rien qui peut me rassurer tant que nous n'arrivons pas à nous défendre nous-mêmes. Oui. Les jours que nous aurons notre propre défense, alors moi ça peut me rassurer que nous sommes défendus par nos propres enfants. C'est comme ça que moi j'étais content d'apprendre au discours du chef de l'État de demander qu'il y ait recrutement. Mais il ne faut pas que ça se fasse dans la hâte. Il faut qu'on nous forme le vrai militaire des troupes avec une philosophie et une idéologie de la défense, c'est important. J'étais même parmi ceux qui demandaient qu'il y ait l'armée, comment on appelle ça, le service militaire obligatoire à partir d'un certain âge. Nous ne manquons pas des hommes, nous ne manquons pas la force, nous ne manquons pas l'intelligence, nous manquons seulement la volonté de faire.
et il faut qu'on mette ça en place. Tant que nous n'avons pas, nous avons une défense à nous. Moi, je m'insurge, j'ai toujours contre les gens qui disent nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas d'armée. Si nous n'avions pas d'armée, nous ne serions pas tels que nous sommes là aujourd'hui. Et ce sont nos enfants qui meurent là. Chaque jour, nous devons être ingrats pour dire tous les jours qu'on n'a pas d'armée. On a une armée, mais comme nous avons des enseignants, comme nous avons des infirmiers, il faut les améliorer au fur et à mesure que nous avançons. Et c'est ça le travail que tout le monde devrait faire. Pas seulement les formateurs de ces militaires, en commençant par nous les parents, pour expliquer à l'enfant pourquoi il va à l'armée. Et puis, arrivé là, les encadreurs doivent expliquer aux enfants que l'armée, ce n'est pas aller mourir, parce qu'il y a des gens qui meurent au lit. Donc, et il y en a qui prennent la retraite à l'armée. Donc l'armée, ça ne veut pas dire aller mourir. Mais si vous mourrez à l'armée pour avoir protégé votre pays et mourir sur la rue ici parce que vous vouliez traverser, moi je préfère votre mort là. Parce que là, vous avez une cause noble. Voilà. Alors, prof, l'État congolais, notamment en fait, la République en général, souffre de beaucoup de problèmes, vous l'avez dit. Et essentiellement, à la suite de beaucoup de diagnostics établis par des chercheurs, c'est beaucoup plus de problèmes d'organisation. Et vous ne cessez de le dire, armée, il faut organiser, ceci pour... Alors, pourquoi nous n'arrivons pas à nous organiser au Congo? Est-ce que c'est parce que personne n'assume sa responsabilité? Est-ce que parce que nous ne sommes pas à même de le faire nous-mêmes? Parce que nous sommes égoïstes. Nous avons un défaut terrible. Nous sommes égoïstes. Mais vous n'avez pas d'idée. Si vous avez vécu longtemps à l'extérieur, hein, dans les pays occidentaux, vous venez ici, c'est alors que vous allez voir le degré. Vous savez, l'égoïsme, c'est la proximité animale en nous. Tout ce que nous vivons comme la vie en commun à société, c'est une fabrication sociale, humaine. La vie en commun, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. N'est-ce pas? Et si nous n'arrivons pas à respecter les règles de la vie en commun, y compris notre gouvernement, qui est notre, qui sort de chez nous. Donc le gouvernement ne se comporte pas autrement que nous-mêmes, parce qu'il sort de la société. Mais comment voulez-vous qu'on fasse des routes? On est en train d'arranger une route sur une avenue, par exemple, et qu'on n'implique pas les riverains. Les riverains sont là, en train de regarder, comme si c'était une histoire qui, après fabrication, va partir. Alors que c'est leur route à eux. Vous voyez que l'État lui-même, dans sa philosophie, il n'arrive pas. C'est un État, je vois à la Gombe, à peine on est en train de préparer les marches pour piétons. Il n'y en avait pas. On fait la route pour des voitures point barre. Et les piétons, ils sont là-dedans comme des moutons. Mais quand vous allez ailleurs où on a la considération pour l'être humain, vous verrez toujours la marche pour piétons, la marche pour des personnes handicapées, la marche pour les gens des... comment on les appelle? Les cyclistes. Alors nous avons une philosophie. Nous regardons chaque Congolais. Va à la pharmacie, vous allez, excusez-moi de parler du Coq-à-l'âne, parce que c'est de là où ça vient. Vous entrez à la pharmacie, vous allez voir, vous êtes devant les pharmaciens, celui qui vient après, il commence à parler aux pharmaciens. Mais vous êtes là, il s'en fout de vous. C'est son problème qui est important. Alors, nous sommes tous comme ça. Il faut, ça vient d'où? Ça vient de l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes et de la société. Alors ça ne marchera jamais. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, tout ce que nous faisons, c'est zéro. Mais est-ce que, si nous devons aller dans cette logique, est-ce que lorsqu'on considère que ceux qui vont prendre la direction, par exemple, des institutions, ou qui doivent gérer ou gouverner pour la destinée de nous tous, devraient être quand même les meilleurs, les gens qui sont choisis parmi les meilleurs, les gens qui se dépassent. Hein, qui peuvent être au-dessus de toutes ces inclinations. Mais justement, c'est ça le problème. Très souvent, on ne prend pas cela.
on prend ce dans un critère que nous tous on ignore. Dans un critère que nous tous on ignore. Moi j'ai l'habitude de manger dans des restaurants. Vous allez voir, on va au restaurant, tout le monde entre, les chauffeurs et les gars de corps sont dehors. Je ne suis pas communiste. Hein, pour dire que nous devons manger sur la même table. Mais ces gens-là sont des êtres humains comme nous. Nous, on va manger, eux, ils ne mangent pas. Ils sont dehors. Vous voyez l'esprit colonial? Et là, ce n'est pas les Rwandais qui nous demandent de faire ça. Hein? Ni les Belges. Nous le faisons de nous-mêmes. Nous le faisons de nous-mêmes. Et on a un mépris pour l'autre. On a un mépris pour l'autre. Quelqu'un que vous sauvez, vous le sauvez comme ça, lui, au lieu de vous dire merci, il va réfléchir comment il peut vous soutirer encore l'argent davantage. Parce qu'il se rend compte que vous avez de l'argent. Ça, c'est les Congolais. Alors, ça finira comment, tout ça? Ça finira comment? Ouais. Je ne dis pas qu'on doit couper les têtes de tout le monde, mais ça finira par le modèle. Oui. De l'autre côté, l'avantage du Congolais, c'est que vous pouvez facilement l'éduquer. Parce que le Congolais apprend par l'imitation du modèle. Hein, pour ceux qui sont des enseignants comme moi, ils savent qu'il y a deux types d'apprentissage, en gros, par essai-erreur et par l'imitation du modèle. Et donc le Congolais est les deuxièmes catégories. Mais il suffit que le modèle, les jours qu'on va prendre les modèles, il n'y a que le modèle qu'on va prendre, eh bien vous allez voir, ça va partir de soi. Mais ils viendront d'où ce modèle-là, dans une société dans le... Mon mémoire, mon vieux mémoire, je suis désolé, au lieu de faire ma thèse sur mon mémoire, je suis allé prendre un autre sujet. C'était intitulé « La délinquance d'État ». Grille de lecture à propos du Zaïre. Nous sommes là à l'époque de Mobutu. On a voulu les entendre. Mais lorsqu'ils ont fait la guerre, qu'est-ce qu'ils avaient demandé? Qu'on devait revoir parce que l'accord du 23 n'a pas été respecté. C'est ça leur nom, oui. M23. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec nos élections auxquelles ils n'ont pas participé? Ça veut dire que nous, là, nous sommes tous des animaux. Eux, ils sont des êtres humains. C'est une humiliation. Moi, ça m'a énervé. Je ne suis pas d'accord. Je sais qu'il y a des gens qui ont triché, qui sont au Parlement. Je sais que les élections présidentielles ont été bousculées par le refus des uns et des autres. Mais ce n'est pas là. Et ça, c'est derrière nous. Non, nous ne devons pas. J'ai dit aux Congolais que nous sommes des êtres humains normaux. Alors, parce que, oui. Je termine par là, oui. Par notre comportement, il arrive d'avoir les doutes sur notre vraie humanité. Oui. Les gens peuvent avoir les doutes pour dire est-ce que nous avons une âme. L'État, c'est un ensemble d'instruments tels que ceux qui les possèdent vous amène là où ils veulent. Le problème est là. Lorsque nous, les gouvernants, nous sommes les modèles. Moi, je suis inspecteur judiciaire des parquets. Je suis inspecteur général adjoint. J'ai mes hommes sous mes responsabilités. Et ils me regardent. Si je prends de la corruption, mais comment vous voulez que j'interdise la corruption? Alors, il y en a qui m'ont surnommé prêtre. Mais ce n'est pas question de prêtre. C'est question que le modèle doit mourir à cause de l'exemple que la nation vient de lui demander d'être. Vous devez en souffrir. Quand vous êtes un modèle, vous souffrez. Le modèle, c'est celui qui accepte la souffrance. Chez nous, on croit que le modèle, c'est le sublime. La personne qui aura tout. Un ventre comme ça, avec une belle voiture, c'est ça le modèle. Non, non. Mais alors, nous, la difficulté que nous avons, c'est la difficulté, le modèle, oui. C'est celle-là. Oui. Est-ce qu'on choisit le modèle? Parce que le critère même de promotion dans nos services vient d'où? Vient de
mina sema munukutuba ngana lobby, c'est tout. Ça ne vient pas du fait que la personne correspond au profil indiqué. Alors tant que nous allons dans une philosophie, et ceux qui font ça ne sont pas punis. Mais vous cherchez les sorciers ailleurs, ce n'est pas les Rwandais. Va au Rwanda, vous allez voir comment fonctionne cet état-là. Dans la discipline. C'est un état policier avec... Mais l'être humain, je viens de vous dire, on vient de l'animal. Tant qu'il n'y a pas d'ordre et tant qu'il n'y a pas de punition, non, j'allais dire des récompenses, positives ou négatives, tant que vous n'avez pas ce type de récompense-là, vous êtes des animaux qui parlent. Le fait de parler, de porter des costumes ou d'avoir bourré des diplômes comme ça ne fait pas de vous des humains. Je suis désolé. Un être humain, c'est celui qui se comporte différemment de l'animal. Celui qui pense à tout moment à l'autre. C'est celui-là l'humain. Et nous sommes des hommes et des femmes, nous ne sommes pas encore des humains. L'humanité, c'est une accession difficile pour certaines personnes. Difficile. Voilà. Alors, cela nous... Je vous répète que je ne suis pas communiste. Cela nous amène à dire quand même un mot sur... C'est vrai, nous sommes dans tout ce que nous sommes en train d'évoquer, mais la difficulté aujourd'hui, notre société connaît toutes ces questions difficiles. Le chef de l'État fait appel à la cohésion nationale pour essayer un peu de faire face à tout ce qui nous vient de l'extérieur. Le Congolais lui-même, il a déjà des problèmes à l'intérieur. Pour se mettre d'abord autour d'une plaie, mettre de côté les intérêts particuliers et chercher l'intérêt de la nation, c'est là le nœud du problème. Oui, le président Joseph Kabila Kabange, c'est pour moi celui qui souffre le plus. Parce que j'espère qu'il connaît ses concitoyens. Mais s'il le voit tel que je le vois, est-ce que le président pouvait demander la mobilisation générale? Est-ce que le président, il pouvait demander? Ça allait se faire de soi-même. De soi-même. Mais mon cher, on vient vous agresser, vous attendez que votre papa vous dise allez battez-vous. Non. Mais ça revient à ce que je vous ai dit. Qui sommes-nous? Là, c'est le grand problème. Le grand problème, c'est celui-là. Est-ce que vraiment nous sommes des Congolais? Comment je peux dire que cette affaire, c'est l'affaire de Kabila ou c'est l'affaire des gens de la majorité, si vraiment je suis Congolais? Et ça, c'est le grand problème. Mais malheureusement, ce sont les Congolais qui disent ça. Mais oui, mais ça veut dire quoi? Nous devons revoir qui sommes-nous. Et qu'est-ce qu'est être Congolais? C'est là où j'ai trouvé génial l'idée du ministère de... L'initiation à la nouvelle citoyenneté. Il y a votre patron qui avait parlé de Congo, un pays... immature, je crois, ou quelque chose comme ça. La République démocratique du Congo est un pays des inconscients. Des inconscients. À la limite. Une république des inconscients. Inconscients. Et dans presque le même thème, le professeur Bongeli a écrit République des enfants. Au fait, c'est la même chose, parce qu'un enfant est inconscient. Au Congo, vous trouvez des gens qui sont ministres, mais qui ont un âge mental de 10 ans. Vous trouvez des gens qui sont des PDG, qui ont l'âge mental de 4 ans. Alors là, vous trouvez des professeurs qui ont l'âge mental de 6 ans. Parce qu'ici, on n'examine pas l'âge mental des gens. Ce n'est pas le fait d'être gros, grand et costaud, d'avoir 100 ans ou... Non. Alors... Notre problème est là. Nous sommes perdus.
mais sont perdus. Notre comportement ne ressemble ni au comportement des Bantous, ni au comportement des Européens. Alors nous cherchons à devenir Européens sans avoir été Africains et nous sommes là. Alors, tout le monde se moque de nous. Parce qu'on doit dire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Vous terminez par là. Ce qu'on doit faire, c'est ce que le président a demandé. La concertation, pas pour aller se distribuer des postes. Mais est-ce qu'on peut faire autrement? Oui. 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 Pas pour aller se distribuer des postes. Les institutions doivent continuer à fonctionner comme elles sont là. Mais pour vous le dites parce que vous avez du travail, vous savez qu'il y a des gens qui ont fait des années et des années et qui n'en ont pas eu. Ah oui, oui, oui. C'est ça le grand problème. Lorsqu'on a le cerveau dans son estomac, on raisonne comme ça. Quand on a le cerveau dans son estomac, vous savez les gens qui font la grève de la faim, ce sont des gens qui ont des causes pour lesquelles ils acceptent de ne pas manger. C'est le sacrifice suprême. Non, je veux dire que l'idée du chef de l'État, c'est qu'on se retrouve quelque part. On va diagnostiquer. Ça, on a déjà fait même à la conférence nationale souveraine. Malheureusement, on fait quoi? On s'en prend aux individus. Au lieu de s'en prendre au système. Mobutu est mort. Aujourd'hui, nous avons le mobutisme plus important que celui de Mobutu. Je regarde votre caméra. Et je dis que le comportement des Congolais aujourd'hui est pire. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Non. Le grand problème, c'est que quand le président appelle comme ça, on arrive avec des idées nouvelles. Et on choisit. Je prends un exemple. Notre constitution, qui est mon ennemi numéro un, mais que je respecte, que je ne peux pas violer. Contrairement à ces voyous qui vont prendre des armes. Non, moi j'ai toujours été pas d'accord avec la Constitution sur plusieurs articles. Il faut qu'on le voit ça. Nous ne pouvons pas aller prendre des choses à Liège, mettre dans la Constitution du Congo. Non, le mouvement ne nous a pas dit ça. Le mouvement nous a dit l'histoire du Congo sera écrite par des Congolais au Congo. Mais si les Congolais sont dans la situation que vous avez décrit avant là, l'âge mental pas tout à fait capable de leur permettre d'écrire une constitution, qu'est-ce que vous voulez? Ils font le plagiat. Il y en a. Ce n'était même pas du plagiat. C'était voulu. Je vais vous dire quelque chose de très important. Oui, rapidement, parce que notre pays, il n'est pas né comme Brazzaville, comme Angola. Non, notre pays est né comme un espace où tout le monde viendra prendre et amener chez lui sans payer la taxe. Quand un enfant naît, j'ai là un enfant qui s'appelle Joseph Kabi Sendebitini. Quand je donne un nom comme ça, même quand je suis mort, ce nom reste. Donc le nom qu'on nous a donné comme État à la naissance, c'est celui-là qu'on viendra puiser et partir. Témoin Bismarck. Témoin, je ne sais pas l'autre, comment il s'appelait encore. C'est le premier qui a présenté ça et on a signé. Donc chaque jour que nous cherchons notre émancipation, nous devons tenir compte qu'il y a des gens qui ne sont pas pour. Ce sont ces puissances-là. Merci, professeur Kabisa. Et il utiliserait n'importe quel Congolais pour détruire. Merci. C'est ça, président.